Mais San fait une gaffe et clash Longwell dans sa story publique. Le mois dernier, les fans de télé-réalité ont assisté à un des plus gros scandales du moment. En couple depuis 6 ans, marié et père d'une petite fille, Kevin Gage aurait trompé sa femme lors de son dernier tournage. Nous utilisons ici le conditionnel, car le Marseillais n'a jamais confirmé cette information. En revanche, Belle Longwell, elle, a raconté en détail sa relation intime avec Kevin dans la villa de la Bataille des Clans. Cette vidéo, publiée sur sa chaîne YouTube, a déclenché une véritable tempête médiatique. Humiliée, Carla Moreau a annoncé sa rupture définitive avec son mari. Aujourd'hui, les deux ex vivent séparément et se partagent la garde de Ruby, très amie avec Carla. Mais San n'a cessé de prendre sa défense et de clasher publiquement Belle. Une fois encore, elle s'en prend violemment à la jeune Brésilienne. Quelques jours après la révélation de Belle, mais San, qui est aussi l'ex d'Alan, n'a pas hésité à l'afficher. En effet, la piquante candidate de télé-réalité dévoilée dans Les Marseillais n'a pas apprécié que son petit ami Emine suive cette dernière sur les réseaux. Si votre mec suit sur les réseaux sociaux une dame qui s'amuse à raconter qu'elle se met à genoux devant des hommes mariés. Une dame qui fait des vidéos YouTube pour raconter en détail comme si on avait envie d'être en direct de sa chouchoune. Est-ce que vous lui demanderiez de supprimer cette dame qui se dit féministe? Si, en plus, cette meuf se mettait à liker toutes les photos de votre mec et que vous savez qu'elle a un penchant pour ceux qui sont en couple? Hier, Belle Longwell a publié une vidéo en story Instagram où elle fait la promotion d'injections pour combler les cernes. Alors qu'elle voulait clasher sa rivale en story privée, mais San se serait trompé. La jeune femme a affiché un tacle, en reprenant la pub de Belle, qu'elle a envoyée en story publique, ça lui dit d'aller faire un traitement de sa chouchoune histoire d'y mettre un verrou une gars volontaire de sa part. Afin d'assumer son erreur, mais San va continuer d'enfoncer la maîtresse d'un soir de Kevin Gage. Après sa publicité pour les injections, Belle incite ses abonnés à donner leur sang. Évidemment, mais San n'a pu s'empêcher de commenter cette nouvelle story, en vidéo cette fois, je suis allée sur le site du don du sang. Point. Bah, devinez quoi? Il ne faut avoir fait de tatouage dans les 4 derniers mois. À chaque fois qu'elle se met avec un nouveau mec, elle se tatoue les fesses. Déjà. C'est mort. En plus, il ne faut pas avoir eu de relations sexuelles avec des partenaires différents. Point. Les gens de la même famille, ça compte comme des partenaires différents, rire. Pour rappel, Belle était encore en couple avec Alan Gage lorsqu'elle a eu une relation avec Kevin, qui n'est autre que son cousin, dans la Bataille des Clans. Mais San ajoute, elle a contaminé toute la banque de sang française. Évitez de faire une hémorragie dans les prochains mois s'il vous plaît. Guillaumet.